de l'autre équipe d'Espagne, Franck aujourd'hui. Une compétition à part, qui permet, comme dans tous les pays, aux petits de défier les gros. Au programme de ce match, l'opposition entre le FC Barcelone et Las Palmas. C'est Barcelone, une équipe qui reste sur une mauvaise prestation lors de sa dernière sortie. Elle s'était inclinée à l'extérieur contre l'FC Valence. Et l'équipe avait été battue 1-0. C'est-à-dire qu'on était loin de l'humiliation. Et je la sens tout à fait en mesure de s'imposer aujourd'hui. Dans le rôle de l'arbitre, monsieur Javier Aguilar Ramirez. Voilà, tout le monde est prêt, c'est le FC Barcelone qui va lancer cette rencontre. Ça s'approche. Ballon en touche, les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Rakitic. Avec Messi. On va essayer de lui prendre le ballon. Un tac. Et l'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Ce ballon. Oui, pas assez travaillé, je pense. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. Ok, de l'inspiration sur ce corner, mais il n'y aura pas mieux. Et il s'en est fallu beaucoup. La défense et le gardien ont eu chaud. Ah oui, c'est dommage de ne pas exploiter ces corners qui sont bien tirés pourtant. Mauvaise reprise. Elle vient lui prendre ce ballon. Oh, quel joli tir! Deux pour le FC Barcelone! Un but somme toute logique, Franck. Hein. Sur le papier, cette équipe est déjà plus forte. Et elle a pris le match par le bon bout et ça finit par payer. Le réalisateur qui nous montre le bout sous un autre angle. Ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Et Tammy. Le ballon donné. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Le gardien repousse. Oh, ça peut revenir. Oh, terrible ce contre! Oh, quelle occasion! Corner, ça va donner une occasion de but. Ok. Oh, le ballon qui tape la transversale! La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. C'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant.
des frissons là avec ce coup franc extrêmement bien placé. Daniel Alves. Il a du soutien. Oh, le tacle propre, ballon toujours en jeu. Rakitic. Oh, le beau tir. On pense à la barre. Oh là là. La faute sur le joueur du Barça. Coup franc. Jérémy Mathieu. Rakitic. Wesley Schneider. Venez passer. Rakitic. Avec Messi. Oh, le beau tir. Ce ballon qui est contré. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Rakitic. Il est à la récupération au milieu de terrain. Il essaye de gêner Schneider dans la construction. Andrés Iniesta. Lionel Messi. Attention à la parade du gardien. Corner. Piqué. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Neymar. Jérémy Mathieu. Kitsch. Le bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Il retiendra donc dans cette première période. Et bien qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Alors Franck, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement fait la différence en tout début de rencontre? Mais si, bien sûr, hein, ce but marqué assez. C'est reparti donc pour la deuxième mi-temps de ce match. Wesley Schneider. Lionel Messi. Oh oui, c'est le face-à-face avec le gardien. Oh, le coup. Peut-être le but. Oui, intervention du gardien qui repousse. La frappe. But pour le FC Barcelone. Et c'est son deuxième but personnel, il va peut-être pas s'arrêter là. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et de but à rien, il domine les débats. C'est Barcelone. Andrés Iniesta. Ah, attention, la frappe. Oh, notre but, quasiment coup sur coup. Je croyais que le tour à 100% de réussite pour moi. Chaque action, il est décisif. Il faut faire un grand match, c'est sûr. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Oh, le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui. Et le score qui est à présent de 3-0. Pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Jonathan Guerra. Wesley Schneider. Et il dévie ce ballon hors des limites. La
Garcia. Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Ouais, joli tir. Et voilà, qui marque à nouveau. Oh, décidément, l'écart se creuse. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Très belle action, bonne lecture du jeu. Et quand on donne le ballon à Messi, eh bien, on s'attend forcément à quelque chose. C'est vrai qu'on est rarement déçu. Hein. On assiste à un match clairement à sens unique avec Valerón. Ah, qu'elle est bien partie. Ah, il échoue sur le gardien. Ah, c'était une belle situation de contre. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Andrés Iniesta. Wesley Schneider. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Oh, il trouve son partenaire sur cette talonnade. Oh, le beau tir. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Le corner maintenant. Le ballon bien dégagé de la tête par le défenseur. Dani Alves. Va-t-il parvenir à centrer? Et ça sort en touche. Oh oui, le bon centre! Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Il fuit le but. Oh, la belle frappe. Deux pour le FC Barcelone. Oh, les défenseurs, ils ont intérêt à pas le lâcher aujourd'hui. Deux buts déjà pour lui. Et ce genre de ballon très précis, vraiment très difficile à négocier pour un gardien. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Ce match tourne à leur avantage. On s'attendait à un match facile pour eux, c'est confirmé. Donc sur le papier, il n'y a pas photo, et sur le terrain non plus. Le duel avec Schneider. Ouais, faute du joueur barcelonais. Un changement demandé par l'entraîneur. T'as vu l'impuissance quand même sur cette frappe de loin qui avait peu de chances d'aboutir. Oui, ça passe très nettement au-dessus de la barre. Avec le plaisir, on revoit ce but. Jérémy Mathieu. Wesley Schneider. Lionel Messi. Il reste au sol, peut-être une élongation. Un téléphore sur cette interception, c'est impeccable. Jonathan Vieira. Allez dans la boîte! Et voilà, c'est la fin de la démonstration. 5-0, oh, c'est une correction. Ce match aller qui s'achève avec une victoire au bout pour cette équipe. Ah, c'est important d'avoir gagné, même si tout est loin d'être acquis. Mais dans les têtes, ça fait du bien. Il faudra confirmer ce résultat au retour, évidemment.